Je suis Lorraine Aboudou, professeure de lettres modernes en CPGE littéraire dans le lycée Félix Éboué. Alors comment vous avez trouvé cette rencontre avec ces élèves? Vous avez senti une curiosité? Ah non, mais c'était magnifique. J'avais pu lire seulement un de ses livres, et quand j'ai vu ce qu'il a transmis aux élèves, comme il les a inspirés, comme ils étaient heureux et touchés d'entendre quelqu'un leur dire que la littérature peut les sauver, guider leur vie, les amener, c'était vraiment un échange mais extraordinaire. Il a su trouver, mais avec une simplicité et une vérité des mots, mais qui nous ont tous, mais les élèves comme moi, pénétrés. Mais j'aurais voulu commencer mais chacun de mes cours avec les mots qu'il utilisait, pour donner le goût aux élèves de lire, de comprendre à quel point la littérature va les faire voyager, comme il le disait. En fait, chaque cours, on devrait le commencer avec ces mots-là. C'était magique. La lecture et les mots à voix haute, est-ce que c'est quelque chose que vous préconisez? Bien sûr, mais c'est pour ça que chaque année nous faisons ce club de lecture, écriture, et chaque année nous essayons comme ça de donner ce moment aux élèves où ils nous font découvrir les talents qu'ils ont, et où ils peuvent lire, partager, écrire, et ce sont les moments les plus magiques qui soient pour un enseignant, en fait, parce que bien sûr que, pour être rapide, mais quand on choisit ce métier, on le fait parce qu'on aime, parce qu'on veut partager cette littérature, enfin, moi j'adore en cours faire les dissertations, les commentaires, mais ces moments-là, en plus, où on est, en plus de toutes ces épreuves, de ces travaux en cours, simplement dans le partage de textes, et de passion, c'est les moments qui nourrissent, en fait, qui nourrissent tout ce travail. Les élèves que vous avez dans cet atelier, c'est beaucoup plus le côté théâtral? Non, cette année c'est extrêmement varié. Autant les autres années on faisait plutôt un club écriture slam, là chaque élève apporte vraiment son genre. La dernière séance sur la culture, chaque élève avait écrit un texte sur la culture, et il y avait aussi bien du récit, de la prose poétique, du poème. C'était vraiment extrêmement varié, et on n'a fait pour l'instant que 2-3 séances, mais j'ai hâte de découvrir ce qu'ils vont nous proposer d'autres. Deuxième édition du Salon du Livre Guyane, vous serez présente pour rencontrer d'autres élèves, ce magma de littérature, de mots, M-O-T et M-A-U-X aussi, pourquoi pas. Et voilà, et pour que chaque élève puisse trouver sa voie, si vous voulez qu'on continue là-dessus. Effectivement, bien sûr que nous serons là, nous emmenons aussi bien le club lecture que ma classe d'Hippocagne avec qui j'avais cours à ce moment-là, et d'autres élèves, justement, figurez-vous qu'une élève qui était au CDI et qui par curiosité a voulu écouter Jean d'Amérique qu'elle ne connaissait pas, donc elle est venue pour cette séance de club lecture, mais complètement à la dernière minute, est venue me voir à la fin, me dire « Madame, c'était merveilleux, est-ce que je peux venir au Salon du Livre ?» Et d'ailleurs, elle se pose la question de venir en prépa, donc vous voyez, tout ça est un... Et on ne discerne plus la cause de la conséquence, c'est merveilleux, et pourvu qu'on puisse en faire d'autres, c'est bien tout ce que je demande.